envers les autres. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Sœurs et frères bien-aimés, le Christ ressuscité vous accueille en ce lieu de prière et de communion.
en lui, nous reconnaissons comme Thomas, notre Seigneur et notre Dieu. En lui, nous contemplons le visage de la miséricorde de Dieu. Et en son nom, je vous dis bonne fête. Bonne fête, Père Hans. Merci de ton accueil et de ton dévouement. Frères et sœurs, c'est la fête de la divine miséricorde. C'est le temps de la miséricorde. Laissons-nous purifier par cette source vive qui, depuis notre baptême, nous engage à la suite du Christ. Thank you.
Dieu Tout-Puissant, nous purifie de nos péchés. Et par la célébration de cette Eucharistie, nous rende dignes de participer un jour au festin de son royaume. Amen. Éternelle miséricorde, chaque année, par les célébrations pascales, tu ranimes la foi du peuple qui t'est consacré. Fais grandir le don de ta grâce, afin que tous comprennent vraiment quel baptême les a purifiés, quel esprit les a fait renaître, et quel sang les a rachetés. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles.
À chaque Eucharistie, nous chantons et prions en chœur. Et le prêtre nous invite toujours à élever notre cœur. Tout cela nous aide à partager l'idéal des premières communautés chrétiennes, les croyants avaient un seul cœur et une seule âme. C'est à travers le vivre ensemble, et non juste avec des paroles, que les apôtres rendaient avec puissance témoignage de la résurrection. Jésus est vraiment celui qui, rejeté par ses frères, est devenu le fondement du monde nouveau, selon le psaume 117. Écoutons cette lecture tirée du livre des Actes des Apôtres, au chapitre 4, les versets 32 à 35. La multitude de ceux qui étaient devenus croyants avait un seul cœur et une seule âme, et personne ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais il avait tout en commun. C'est avec une grande puissance que les apôtres rendaient témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, et une grâce abondante reposait sur eux tous. Aucun d'entre eux n'était dans l'indigence, car tous ceux qui étaient propriétaires de domaines ou de maisons les vendaient, et ils apportaient le montant de la vente pour le déposer aux pieds des apôtres. Puis, on le distribuait en fonction des besoins de chacun. Parole du Seigneur.
prier la messe là, Père a demandé bon Dieu pour lui faire l'église là gagner confiance et puis faire la remède. Nous jouons une parole pour être remède, 8 fois dans 6 versets lectifs pour le couper. Je sais verti la grâce bon Dieu dans la vie chrétienne. Nous joignons dans le sacrement l'église là, qui sortit beaucoup de Jésus qui t'est percé sous croix. Écoutez dans 1er lettre Jean, chapitre 5, sorti dans verset 1er, rivé dans 6e. Bien-aimé, celui qui croit que Jésus est le Christ, celui-là est né de Dieu. Celui qui aime le Père qui a engendré, aime aussi le Fils qui est né de lui. Voici comment nous reconnaissons que nous aimons les enfants de Dieu. Lorsque nous aimons Dieu et que nous accomplissons ses commandements, car tel est l'amour de Dieu, garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas un fardeau, puisque tout être qui est né de Dieu est vainqueur du monde. Or, la victoire remportée sur le monde, c'est notre foi. Qui donc est vainqueur du monde? N'est-ce pas celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu par l'eau et par le sang. Non pas seulement avec l'eau, mais avec l'eau et avec le sang. Et celui qui rend témoignage, c'est l'Esprit, car l'Esprit est la vérité. Parole du Seigneur. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Heureux les miséricordieux, ils obtiendront miséricorde. Heureux, c'est le refrain de la bonne parole. Avec nous tous. Lecture de l'évangile qui sait d'après ces gens. Chapitre 20, saute dans verset 19, rivé dans verset 31. Jou ça, premier jour de la semaine, dans la soirée, porte côté partisan OTEA est fermé, peut-être que des pères juifs. Jésus vini, lui campé dans le temps, lui dit, qu'est posé pour nous. Entend la
dit ça, il montre yo mail à Bocotri. Partisans yo content ouais grand maître là. Jésus tourne dit yo qu'est posé pour nous. Même Jean papa te voyait moi même tout moi voyait nous. Entend la dit ça, il souffle sur yo, il dit yo recevoir l'Esprit Saint. Depuis nous pardonner péché yo moun, péché yo a pardonné. Depuis nous quitter yo sans pardonner, yo va arrêter sans pardonner. Mais Thomas, you nan douzio, sa yo rele marasa, pat la avec yo le Jésus vini. L'autre partisan yo dit, nous wè grand maître la. Li di yo, si mwen pa wè mak lou yo nan mèl, si mwen pa mette dwèt mwen nan mak lou yo, et puis si mwen pa mette mèl, mwen bokot li, mwen pa kwe. 8 jours après, partisan yo te andan nan kay la anko, Thomas te avè yo. Jésus vini entend porte yo fermé. Li kanpe nan mitan yo, li di yo, kè pose pour nous. Après ça, li di Thomas, mette dwèt ou isi la, et puis gade mèm yo, plonje mè yo, mette l bokòt mwen. Pa rete sans la foi. Mais c'est pour y'a la foi. Thomas répondit, grand maître moyen, mon Dieu moyen. Jésus dit, ou quoi, parce que ou aime, à la chance pour le monde qui croit sans pas oué. Jésus te fait un pile l'autre miracle devant un partisan lui, qui pas écrit dans l'île ça. Ça y'a même, y'a écrit pour y'a nous capables de croire Jésus-Christ là, c'est petit bon Dieu. Comme ça, peut-être quoi nous croyons, nous vaguer la vie dans nos lits. Acclamons la parole du Seigneur. Chers frères, dans le ministère sacerdotal, chers et frères les consacrés, paroissiens de la divine miséricorde, frères et sœurs bien-aimés, animés de l'espérance qu'apporte la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, nous voici rassemblés pour louer Dieu. D'avoir révélé sa puissance à un moment où les forces des ténèbres semblaient triompher de la lumière. Nous le bénissons d'avoir relevé son Fils d'entre les morts, de lui avoir donné le nom plus haut que tous les noms à la louange de sa gloire. Nous lui demandons de laisser rayonner la lumière de Pâques dans notre pays et dans notre existence quotidienne. Le texte d'Évangile selon Saint Jean que nous méditons en ce deuxième dimanche de Pâques parle de l'envoi des disciples en mission par le ressuscité et il invite
foi à travers le dialogue de Jésus avec Thomas. Aux apôtres enfermés dans la peur, Jésus apparaît. Les portes verrouillées, comme la pierre du sépulcre, ne lui posent pas de difficulté. Rien ne peut l'arrêter. Il est dans la sphère divine, la sphère céleste. Et de la même manière qu'il entra dans le lieu où ses apôtres s'étaient réfugiés, il vient à notre rencontre aujourd'hui tout en repoussant nos peurs. Il souhaite la paix à ses apôtres. Shalom, leur dit-il. Dans la bouche du ressuscité, la salutation traditionnelle Shalom, qui veut dire paix, n'est pas seulement un souhait, mais aussi un don. Le don de cette paix que le Christ seul peut accorder et qui est le fruit de sa victoire radicale sur le mal. La paix que Jésus offre à ses amis est le fruit de l'amour miséricordieux du Père pour les humains. La paix que Jésus apporte est accompagnée du don de l'Esprit. Saint Jean écrit, il souffle sur les disciples. Il souffle sur eux comme autrefois Dieu avait soufflé sur Adam pour lui communiquer une âme vivante. En ce premier jour, jour de la nouvelle création, Jésus envoie l'Esprit Saint sur l'homme. Et celui-ci devient enfant de Dieu. Et ipso facto, l'homme devient apôtre, missionnaire envoyé. De recevoir la paix avec l'Esprit Saint, où on est apôtre, missionnaire et Jésus pour y avoir. Isaac fait dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Remarquez, frères et sœurs, les disciples étaient déjà envoyés avant la passion. Jésus les voyait déjà. On les voyait deux par deux. Maintenant, il s'agit de la confirmation de la mission. Ils les voyaient déjà. Mais voilà que M. Sayou, c'est la débâcle qu'ils ont connue au Golgotha, ils ont tout couru, ils ont quitté lui. On y a Jésus ressuscité, c'est comme si nous renouvelons le mandat. Il nous confirme nos missions, comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Ça concerne tout baptisé. Tout le monde qui ne soit baptême dans l'église, fera ça libre. Ou sont envoyés à partir du moment où on entre en famille, mon Dieu. Mais les confrontations particulières, d'accord avec moi, pour les missionnaires, les consacrés, les prêtres, les religieux, les religieuses. Même Jean-Papa a envoyé maintenant, au même diacre, au même père, m'a envoyé. C'est une grâce, son faveur, son honneur et son grande responsabilité. Ils sont envoyés pour annoncer l'évangile, pour remettre les péchés, aller de toutes les nations faites des disciples, dit Jésus, et dit au tout, ceux à qui vous remettrez les péchés leur seront remis. Ceux à qui vous retiendrez les péchés leur seront retenus. Ils voyaient pour réconcilier les hommes avec Dieu, particulièrement les pécheurs. Apôtres et disciples avaient pour témoigner de la miséricorde de Dieu. Et justement, frères et sœurs, depuis l'année 2000, l'année du jubilé, le deuxième dimanche de Pâques est appelé dimanche de la divine miséricorde. Et cette paroisse a la grâce et l'honneur d'être dédiée à la divine miséricorde. Si nous demandons dans l'archidiocèse, la plus fidèle, qui est plus près que bon Dieu, nous avons dit, divine miséricorde, bien sacré, le Père en
grâce, bon Dieu, fait nous. Paroisse divine miséricorde. Pour qui ça? Parce que, au cœur du message transmis par l'Écriture, notre Dieu est souvent défini par des adjectifs. Il y a des adjectifs qu'on mettait pour parler de bon Dieu souvent. Patient et miséricordieux. Son bon Dieu qui gagne patience. C'est ça que je dis, il est lent à la colère. Si vous prenez Psaume 144, vous prenez le écrit, Yahvé est tendresse et pitié. Lent à la colère. Parfois, nous avons mon Dieu agit vite. Il va pécher à temps pour le changer. Justice, mon Dieu, c'est qu'à boire de bœuf. Il est long, il prend temps, mais il a béni quand même. Il a bon temps pour changer, pour toucher le cœur, il a bon parole là. Il met des fumiers, il prêche, il invite à la conversion. Il le cas privé, il a tranché. Mais il est lent à la colère. Parfois, nous avons trouvé que il est trop lent. Mais trop lent, bon pour nous, oui. Parce qu'il agit vite, nous-mêmes, nous avons frappé. Oui. Chaque fois, il nous fait péché. Il est lent à la colère. Ensuite, plein d'amour, miséricordieux. Il est bon, Yahvé, envers tous. Il est bon envers tous. Ni monde qui a un bon cœur, ni monde qui a un cœur dur. Il est bon envers tout. Pas de monde qui le rejette. Et cette tendresse pour toutes ses œuvres. Et dans l'histoire du salut, la bonté de Dieu prévaut souvent sur la destruction et la punition. Avant le punir, ouais, c'est bonté qui passe en pitié. C'est comme nous avons ou forcé pour le punir. Et punition, non, c'est comme les conséquences de l'infidélité des hommes. C'est un petit monde qui fait des ordres. À 8 heures, il va être traqué. À 9 heures, il va être traqué. On mette la genou à 10 heures. On lève la 11 heures, il va être traqué. C'est comme si la force pour Khalil. Pour toute chance, au Bali. Mais bon Dieu, qu'on s'allie. Il n'est pas frappé tout de suite, il bat tout le temps pour tourner. Finalement, s'il frappe, c'est conséquence d'infidélité. La miséricorde de Dieu, frères et sœurs, est immense comme son être. Et la miséricorde de Dieu a un visage et un nom. Il y aurait la miséricorde de bon Dieu à Jésus-Christ. Visage miséricorde de bon Dieu, c'est Jésus-Christ, ça fait. Il y aurait le Jésus-Christ, miséricordiez-vous tous le visage de la miséricorde. Sous besoin, ouais, que sensible bon Dieu a, gardez Jésus. Gardez Jésus sous quoi, c'est lui-même qui révèle que sensible bon Dieu a. Et de fait, l'opre ministère Jésus, évangélicio insistait sous miséricorde là, sous que sensible là. Je dis à sous, pas vous retenir mon miséricorde en pile, mais retenir que sensible. Jésus gain cœur sensible. Jésus c'est cœur sensible là même. Par exemple, je dis nous leur rivé Botton Blaza, il fut bouleversé et Jésus pleura. Frère Samuel, est-ce que nous qu'on imagine un bon Dieu qui a crié? Oui ou non? Non. L'autre l'aime des petits bon, leur un garçon a crié, un grand monde garçon a crié, tout le monde saisit oui. C'est pas ça? Comme Jésus qu'on dit garçon pas crié, un garçon pas crié. Ah, mon, c'est pas crié. Que... L'équipe est en train. L'équipe est cœur. L'équipe est tri. Bon, les gars sont en train de crier, puis red. Que fille. Dans l'enterrement, mon équipe a crié, c'est deux filles qui ont soutenu. Il a tellement crié, c'est deux filles qui ont soutenu pour dire le Québécois. Ah, bon, l'équipe est en train. L'équipe est sensible, qui a déchiré, qui a souffrance. Parfois, il n'est pas capable de crier physiquement, pas de son angèle, mais cœur a déchiré, la piste est résistée. Je vous dis, il ne faut pas crier. Si nous ne sommes pas son angèle totalement devant la situation Haïti, il est encore qu'on a déchiré, qu'on a vivre là. Mais Jésus a crié dans la mort Lazare. Je dis, nous tous, Jésus a privé Jérusalem, on l'a. C'est parce que ce dernier arrivé à Jérusalem, il est tellement ouais, il prêchait, il invitait Jérusalem à la conversion, mon yo pas coûté, mon Jérusalem yo fermé cœur yo. Il dit non, Jésus le prêt arrivé à Jérusalem, il pleura sur Jérusalem. Jérusalem, toi qui tues les prophètes et lapides ceux qui te sont envoyés, que de fois j'ai voulu rassembler tes enfants comme une mère appelle ses enfants, mais tu n'as pas voulu. Il dit que deux jours qu'a privé. Pour
Et quelques années après, Jérusalem va le détruire. Qu'elle déchirée sur la dureté du cœur des gens de Jérusalem, sur l'incrédulité. Qu'elle déchirée tout devant la souffrance des foules, devant leur faim. Évangéliste dit non, mon qui t'a suivi, tu as deux, trois jours à suivre. Jésus dit disciples, mon qui a suivi moi longtemps. Il y a un grand goût. Côté désert, ça pour nous t'a fait. Il eut pitié des foules parce que c'était un coup brebis qui sans pasteur. Qu'elle fait le mal, qu'elle déchire. Et c'est ça qui va faire miracle, multiplication des pains, libre à le bailler ou manger. Frère Mio, ce Mio, ça c'est leçon pour chrétiens. Ou pas cadeau chrétien si ou pas gain cœur sensible. Ou pas cadeau chrétien si cœur dur. Il y a une qualité, ouais, dans le séminaire, il y a dit non ça. Il y a une qualité à prendre car on paix, il faut un bon cœur. Il faut un cœur sensible. Il va demander pour un égaré, non? Ou bien on fait blague, qui va. Non, je demande pour un cœur sensible. Il y a devant souffrance, devant problème. Et ce n'est pas pour paix seulement, c'est pour tout chrétien, tout fidèle. Il faut qu'on fasse mal. Malheureusement, la société a des gens qui sont durs. Que le boucher, c'est comme si nous avons c'est son roche qui n'a pas ce qu'il y a. Mon met à souffrir, mon met à pire, a fait gâteau, il même ça a fait pas seulement, ouais, mon met à pire. Non, mon qui dans l'église, mon qui chrétien, il doit un bon cœur, il doit un cœur sensible, il faut être capable ému devant la souffrance des autres. Frère Mio, ce Mio, si Jésus baille envers l'humanité, fatigué, épuisé, envers les pauvres, les exclus, les malades, tout ça a révélé que sensible bon Dieu, miséricorde bon Dieu. C'est ça nous fêter aujourd'hui. Et ça, pape Jean-Paul II demande à toute l'église là, deuxième dimanche de pape, pour attirer l'attention de tout le monde sur lui, sur miséricorde, sur que sensible bon Dieu a, qui exerce pour tout le monde, et que sensible bon Dieu m'a dit pour nous-mêmes, pour exercer l'un pour l'autre. Alors, si bon Dieu, c'est miséricorde la même, qui ça a demandé nous? En retour, les fils et filles de Dieu sont appelés à exercer la miséricorde. Et ils ont insisté pour dire que les fidèles du Christ doivent être éduqués à la miséricorde. Elle dit dans l'église, dans la prédication, dans le catéchisme, dans la formation, groupe choral, etc., il faut éduquer mon Dieu à la miséricorde. Ça, c'est un point important. L'éducation chrétienne à la miséricorde se traduit par les relations d'aide mutuelle. Il faut éduquer tout le monde qui est baptisé, tout le monde qui n'a pas entré dans l'église, tout le monde qui est dans le catéchisme, pour commencer à comprendre qu'on doit aider l'autre. La grande chorale paroissiale qui chante matin en divine miséricorde, éducation miséricorde là, en une chorale après baliment d'eau, on soutient l'autre, on aide l'autre. Dans tout groupe, son éducation, il faut cheminer là-dedans, il faut comprendre. Deuxième signe, l'éducation chrétienne à la miséricorde se traduit par le pardon. Yon ka pardonné l'autre, yon ka réconcilié avec l'autre. Parfois c'est Dieu, oui. Parfois c'est un dans l'église, là, oui. Parfois c'est dans un petit groupe, dans un choral, a fait pardon, yon pas la donne dit tout, non. Parfois c'est des gens qui dans l'église, pas bon, bon, non. Pour les problèmes, ils n'ont pas pardonné du tout, qu'elle fait, mais les ennemis pour la vie. Non. Faut éduquer au pardon, au cas faire le point, ou ça pas marché, nous faire le point, nous faire la lumière sur lui, et puis après c'est fini. D'où la formation pour les responsables de groupe. Tout le monde qui est responsable de groupe, quel soit côté, il soit obtenu des messages, faut songer que au président groupe, ou animateur, ou dans le comité groupe là, faut toujours quitter une porte pour ça, pour des fois qu'à faire rencontre pour deux trois monde qui a un problème réconcilier ou ne pas donner l'autre. Ou pas faire manger sur ça pour quitter à faire pendant longtemps. T'as dû venir chanter pendant un an, deux ans, il y a même pas, il ne peut pas me parler, et comité par exemple nous mots sur ça, non. Dans ce cas-là, on pas fait travail d'éducation à la miséricorde. Ça se traduit aussi par la retenue dans les jugements négatifs. Mon cas fait mauvais jugement sur l'autre, dit mauvais causé sur l'autre. Si vous voulez imiter que sensible bon Dieu à miséricorde bon Dieu a, ou contrôler ça, bouchou pour ne pas dire n'importe causé. Et ça terrible dans la société, non. Jugement négatif.
car ça qu'arrivé, il qu'arrivé, il qu'arrivé, il qu'arrivé un bon l'autre monde depuis ouvert bouche pour parler de monde son bagage est mal. Pour y aller dire mauvais jugement. Éducation chrétienne à miséricorde là, mando pour former mon yo pour dire attention à mauvais jugement sur monde. Il traduit par le partage, par l'accueil, par l'hospitalité. Yon moun ki nan l'église bon Dieu a, yon moun ki chrétien ki veut suivre Jésus-Christ, yon moun kap savi bon Dieu miséricorde là, ou kon partage. Ou ka accueilli moun, ou ka recevoir moun la kayou, ou ka kon ki jan pour approcher yon moun ki vin mando, ki choy, ki mando conseil, ki mando pour fonti akri le moment, moun ki mando pour consacrer un petit temps pour li. C'est tout ça. Qui expression miséricorde là. Et l'éducation à la miséricorde, frères et sœurs, se préoccupe de porter les chrétiens à ne pas agir selon les forces du mal en se jugeant, en se haïssant, en s'entretuant, mais en se reconnaissant pécheur. L'entendez, on monde font bagay qui mal. Le dans l'église entend un frère ou bien un ministre dans l'église font bagay qui mal. Ou a déploré pour dire, c'est dommage, c'est regrettable, mais songe à ajouter que ça t'est arrivé tout. Saint Paul dit, vous qui êtes debout, prenez garde de tomber. L'homme monde tombe à terre, pas courir, parce qu'on a tombé tout même. Puis on a glissé tout. Donc, pas porter un jugement rapide sur le monde qui font mal, qui mal, c'est déplorable. Nous ne pas battre bravo. Si le faut carrer les gens n'ont pas la veille, ou qu'on a prié pour lui, pas courir, réjouir. Pas courir, parler ça, gagner sans c'est de côté. De côté, je ne sais pas si ça va arriver, mais c'est de petit côté, pipiti. Il y a deux mondes qui sont champions. Il y a deux mondes qui ont petit. Il y a deux petits mondes, c'est fun. Yo, et puis petit paillot pour le porter, paillot, paillot, bientôt. Il y a un paillot, paillot tout. Papa, ça, petit paillot, il met, c'est terrible, mais il y a deux petits mondes, petit y a deux fins avec petit monde. Si vous avez critiqué pour l'autre monde, vous avez battu l'autre monde, vous avez joué dans la main, dans la caillou. Pas de jugement, pas de faux jugement sur le monde. Tout le monde reconnaît que c'est péché ou capable de tomber. C'est tout ça, miséricorde, bon Dieu, à apprendre. Alors, éducation à miséricorde là, vous voulez faire tout chrétien songer. Ça nous dit dans la prière commune. Prière que ni catholiques, ni protestants, prière nous tous nous dit, notre Père, la donne nous dit, pardonne-nous ensemble. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Pardonner ça nous fait où? Même gens nous pardonner, monde qui fait non qui choye. Alors c'est tout le temps pour y éduquer nous dans l'église là, pour nous être sensibles, pour nous songer, nous ne devons pas donner l'autre parce que bon Dieu pardonne dans le premier. Et bon Dieu, invitez-nous pour nous garder sous lit. Jésus dit, si on ne peut pas donner l'autre, bon Dieu, quand même, pas pardonner nous tout. Gagnons pasteur l'église, dans le premier siècle, dans le premier évêque, bah, longtemps, hein? Saint Clément de Rome, il mourit dans l'année 97. Vous êtes quand même dans l'année 100, non? Bien loin. Il a premier père apostolique, il écrit fidèle lui, petit phrase ça, que je vais citer pour nous. Il dit, obéissons donc à la volonté de Dieu. Volonté pleine de grandeur et de majesté. Devenons des suppliants de sa miséricorde et de sa bonté. C'est chaque jour pour nous à genoux pour la demander miséricorde, bon Dieu. Il dit, prosternons-nous, retournons-nous vers sa compassion. En abandonnant les occupations vaines et la discorde et la jalousie qui mène à la mort. Tout le temps, à l'empire bon Dieu, demandez le pardon, implorez que sensible et quittez discorde, quittez jalousie, quittez ce qui fait perdre du temps, consacrez plus à la volonté de Dieu. Gardez pour nous, dans la société, dans la vie, nous, nous avons dit, racine, on bande problème.
c'est jalousie et remet l'argent. Racine une bonne division, c'est jalousie. Un tel plus intelligent, m'bavle ouel. Un tel plus qu'on chante, m'bavle ouel. Un tel plus qu'a fait travail là, m'bavle ouel. Yo kabal tout étiquette. Pour qui ça? Parce que yo pas qu'a fait ça l'affaire. Parce que le plus bon passé. Pas fait jalousie. Bon Dieu, bah chaque monde carisse, il bah chaque monde possibilité. Regardez ça le bon là, pour faire le produit, pour le bien de Dieu, pour le bien de l'Église, pour bien pas. Frère Axemio, l'évangile deuxième dimanche Pâques là, invitez-nous pour nous croire dans bon Dieu, même le nous pas ouais à genoux, signe de délivrance là. Thomas, te vle ouais à genoux tête li, signe puissance bon Dieu. Vous dites, Jésus levé dit, faut moi, m'gain Dieu, faut moi ça. Li ouais, li quoi? Li reconnaître Jésus, comme grand maître lui, comme bon Dieu lui, il dit, mon Seigneur et mon Dieu. Jésus dit, bravo, c'est ça, tu as bien répondu. Sauf que, dès qu'il s'agit de moi-même, de papa, il faut qu'à quoi son parole. Ou pas de besoin, ouais, pourquoi là, ou manque un bagaille. C'est ça Jésus veut dire tout chrétien, yo. Nous capables pas, ouais, agir dans la tête, nous, signe délivrance bon Dieu a pour nous-mêmes haïtiens. Lors du m'a prêché dans mes chrismal, Alta Grâce, on commence à prêcher là, on salue Père, et puis me dit, frères et sœurs, dans le sacerdoce baptismal, peuple aimé de Dieu. Bon, vous voyez sur YouTube, quand monde qui a réagi, il dit, peuple aimé de Dieu, point d'interrogation, peuple haïtien, je dis, ah, peuple aimé de Dieu, comme s'il pas d'accord. Vous comprenez? Oui, peuple aimé de Dieu. Parce que bon Dieu, c'est remède pas capable de remède. Il y a un monde, j'ai pas agi, qui voulait bloquer, faire nous pas ouais, remède bon Dieu pour nous. Mais la foi nous fait connaître que bon Dieu toujours remède. Agir dans la tête, nous capables de signe de délivrance là. Bagaille ou raide, nous avons souffert, nous avons bouqué. Nous avons pris le coup de bon Dieu. C'est ça, thème fait là, dit nous, ici tant. Il dit, bon Dieu, vide grâce et miséricorde sur Haïti, grand maître. Haïti, pas capable encore. Nous connaissons pas que? Dis le nom de Dieu. Le Père Hans qui sauve nous là. Nous connaissons. Allez encore. Vide grâce et miséricorde sur Haïti, grand maître. Haïti, pas capable. On l'autre fois encore. Haïti. Thème ça, et par contre, ça veut prendre, non? Pas seulement peut-être problème pays, non? Yo marié à la Bible. Il y a là, Somme 78, verset 8. Côté nous lit, que descende sur nous ta miséricorde, Seigneur, car nous sommes à bout de force. Libon l'a choisi thème yo ou allant la Bible. Regardez qui pi privé c'est ka espiro pour c'est pas parole humaine seulement qu'a dit que descende sur nous ta miséricorde Seigneur car nous sommes à bout de force. Ça c'est la prière nous fait pour nevenant pour fête là. C'est la prière nous capable faire chaque jour dans la messe. Nous capable faire la caille nous dans travail nous. Nous besoin en pile la prière. Force l'église là, c'est la prière. C'est confiance et espérance dans mon Dieu la vie. Bon Dieu qui levait Jésus, soutenant parmi moi. Bon Dieu qui vient pour lever Haïti. À collaboration petite lio en Haïti. Frère mio, sœur mio. Fidèle paroisse divine miséricorde, fidèle tout partout qui vivent mais ça. Bonne fête. Bonne fête, chers amis d'ici et d'ailleurs, qui avez une grande dévotion à la divine miséricorde. Que le Seigneur soit dans notre cœur, qu'il marche devant nous et nous conduise. Qu'il nous recouvre
de son sang et nous environne de sa puissance. Amen. Frère Samio, à nous proclamer la foi à l'Église là, à travers le symbole de Nicée-Constantinople. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu né de Dieu, lumière née de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, de même nature. Et par lui tout a été fait, pour nous les hommes et pour notre salut. Il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Ici pour nous, souffrance Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une sainte catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Chers frères et sœurs, en ces jours très saints, en cette fête de la divine miséricorde, supplions le Père Tout-Puissant, afin que la Pâque de son Fils unique, notre Seigneur Jésus-Christ, apporte grâce, paix et joie au monde entier, et particulièrement à notre pays. Miséricorde, ils obtiendront miséricorde.
pour l'Église, dispensatrice de grâce et ses dirigeants, le pape, les évêques, les prêtres, avec les personnes de vie consacrée, afin que l'accueil ou le rejet du monde ne les empêche nullement de révéler au monde la miséricorde du Christ. Prions le Seigneur. En l'accomplissement des paroles du Seigneur. Pour les responsables des nations, tous ceux à qui les peuples ont confié leur destin, afin qu'ils travaillent à accomplir dans le respect des lois leur engagement. Prions le Seigneur. Sans avoir vu. Pour tous les malades, les démunis, les prisonniers, les désespérés, les persécutés, les personnes sans espérance, afin qu'ils découvrent dans leur vie le visage du ressuscité. Prions le Seigneur. Purs, ils verront Dieu. Pour toutes les personnes qui, désirant voir un lendemain meilleur pour elles-mêmes, pour leur famille ou pour d'autres peuples, laissent leur terre afin qu'ils conservent dans la pureté du cœur leurs objectifs missionnaires ou humanitaires. Prions le Seigneur. Ce que vous voyez. Car je vous le dis, beaucoup de prophètes et de rois ont voulu voir ce que vous voyez. Pour tout le peuple des baptisés, invités à resplendir de la joie pascale et notre communauté paroissiale en fête, afin que nous ne cessions de grandir dans la charité et la miséricorde du Christ. Prions le Seigneur. Seigneur, viens au secours de ton peuple qui espère en ta miséricorde. Que ta puissance le soutienne en cette vie et le conduise aux joies de l'éternité. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Bienheureux les miséricordieux, ils obtiendront miséricorde. C'est la réciprocité évangélique voulue par le Christ.
Ceux qui pardonnent seront pardonnés. Ceux qui donnent recevront. Ceux qui partagent repartiront comblés. Puisse cela éclairer notre geste à la quête. Thank you.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accueille-nous, t'en prions, Seigneur, les offrandes de ton peuple, et en particulier de ce que tu as fait renaître. Ils ont été renouvelés en confessant ton nom et en recevant le baptême. Accorde-leur de parvenir au bonheur sans fin. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps. Mais plus encore en ce jour où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Car il est l'agneau véritable qui a enlevé les péchés du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi le peuple des baptisés rayonnant de la joie pascale exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifie toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que, du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présenté à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où ressuscita selon la chair notre Seigneur Jésus le Christ. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps
et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit, tu t'apprends, trahi Jésus, les prends payants, les dit au merci, les bénis, les cassés, les partisans, les dit manger la dans l'entour, réellement vrai, ça c'est comme moi. Ma bye pour l'œil au fin manger, les prends calice là, les dit ou merci, les bénis, les bails partisans lui, les dit ou là dans l'auto. Réellement vrai, ça c'est sans moi. C'est sans l'autre contrat qui va là pour tout temps. C'est sans qui pral couler pour nous, pour tout le monde, pour pardonner péché. Fais ça. Pour non songer moi. Il est grand le mystère de la foi. Seigneur Jésus, proclamons ta résurrection. Nous attendons ta en faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église. Et daigne y reconnaître ton Fils, qui selon ta volonté s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, et Sainte Faustine Kowalska, et tous les saints,
qui ne cesse d'intercéder auprès de toi et nous assure de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, et notre évêque Max Leroy, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos sœurs et frères défunts, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.
Voici le ressuscité. Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Demander pardon pour ses agresseurs, se donner en nourriture à nous pécheurs, ce sont là quelques-unes des attitudes divines de miséricorde. Dans le respect et la foi, partageons le corps du ressuscité et prions pour une communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en ta présence dans le très saint sacrement. Je t'aime plus que toute chose. Et je désire que tu viennes dans mon âme. Je ne puis maintenant te recevoir sacramentellement dans mon cœur. Viens-y au moins spirituellement. Je t'embrasse comme si tu étais déjà venu et je m'unis à toi tout entier. Ne permets pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de toi. Amen.
Thank you.
Seigneur. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, que le mystère pascal accueilli dans cette communion ne cesse jamais d'agir en nos cœurs. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Nous te remercions, chant, frère Maxime. Ma prends des chorales là pour ta bis nous la donner. Pendant ce temps, il y a une deuxième quête archevêché chez Port-au-Prince mandé pour dans toute fête patronale qui est organisée pour nous capables de soutenir les clergé. Nous connaissons nos mêmes pères nous, mais là, au fin grand monde, qui côté vous braler? Si nous ne soutenons pas ce grand monde, nous avons découragé moi-même, m'a dit nous pas intéressé vraiment à ce pays. Qu'est-ce que nous avons fait pour nous? Nous connaissons content de chanter le chant, nous avons content d'offrir tout dans cette. Il mérite toute gloire, tout honneur. Qui d'autre aujourd'hui pourrait nous porter à avoir le cœur en fête, sinon notre Dieu, sinon l'assurance que nous avons en son amour? Gémon Kapga des célébrations, ça, l'autre bord,
Il a dit, oh, mais comment vous faites fêter? Pour ça, je suis dans Haïti. Je suis sorti la caillou. Je fais une belle et nous pas cher pour ça, pas vrai? Pour dire ça, je suis dans Haïti, c'est vrai. Ça veut dire que c'est vrai, mais ce n'est pas tout Haïti ça. Haïti non bafon, mais la foi non campé diable. Nous disons merci au Seigneur pour le don de la foi. Cette foi qui nous aide à croire sans voir. Nous disons merci au Seigneur pour la joie pascale. Même s'il est difficile pour nous de laisser rayonner cette joie chaque jour et à chaque instant sur nos visages, mais cette joie rebondit de temps en temps dans notre cœur. Nous rendons grâce au Seigneur pour tout cela. Merci au Seigneur parce qu'il ne nous laisse pas comme des brebis sans berger. Nous lui disons donc merci pour le premier berger du diocèse, le berger du diocèse, le curé de toutes les paroisses du diocèse. Comme Moussa n'est pas dans toutes paroisses en même temps, les délégués ont paix dans chaque paroisse, mais c'est le premier curé de chaque paroisse. Nous sommes toujours contents. Pendant le temps de la sacristie, nous allons entrer, nous allons annoncer qui Jean, premier curé paroissien, c'est lui qui a présidé la célébration pour nous. Nous pas contents, frère Maxime. Nous sommes contents de saisir parce que nous pas annoncé nous ça. Mais nous toujours parés pour nous recevoir, Monseigneur, parce que c'est paroisse, parce que ses voisins nous étaient tout prêts. Il y a 160 ans de cela, quand le premier archevêque de Port-au-Prince, Monseigneur Martial Guillaume Marie Testar du Cosquer, est arrivé en Haïti, là, il était rencontré le président Fabre Giffard. Le ça, il était dit, mes amis, tout j'ai viré, gardez-moi et attendre. Tous les yeux sont tournés vers moi et ils espèrent, ils attendent. Nous connaissons souvent les mappes à Monseigneur, ça que ça me pensait. Dans la situation paysanne et spécialement dans la situation pays Port-au-Prince. Parce que, il paraît, il y a un pays différent de reste pays. Il y a un pile côté dans le pays, nous vivons calmement. Mais ici, là, nous encerclés. Et c'est la bergerie de Monseigneur. Chaque fois, attendez, il y a kidnappé paix, mais Monseigneur n'a pas foutu dormir. Parce que tout le monde a brûlé. Père qui pas carité non pas was. Père yon encerclé, le gen tiré. Monseigneur, ça concerne il. Donc, ce n'est pas un travail qui est facile. C'est pourquoi à la messe, quand je prie pour l'évêque, je comprends encore davantage l'importance de cette prière. Monseigneur, merci pour votre témoignage. Merci pour votre présence. Merci de m'avoir confié cette paroisse. Ce n'est pas la première mission pour moi, pour miséricorde, bon Dieu. Moi, songer, c'était pas de secrétaire conférence encore, tu es archevêque au Cap. Et puis, j'ai pour animer une retraite sous thème miséricorde. Moi, aller, moi, faire, ça c'était bonne occasion. Approfondi diverses miséricordia et puis document Pape Benoît et François aussi te mettez sur année miséricorde. Mais dans fin retraite là, moi dit mais c'est nous femmes qui t'es diocèse même vini pour qui ça est moi choisi. Je dis c'est archevêque au Cap là oui qui t'es dit ou pour nous reler. J'en profite pour dire merci à Monseigneur pour ses missions de la miséricorde. Je vous assure que c'est réconfortant de ne pas pouvoir passer une journée sans penser, sans ne pas penser
à la miséricorde. Dans la paroisse miséricorde, là, on pense à ça. Et spécialement dans notre diocèse, pour ne pas dire dans tout le pays, peut-être, c'est la seule paroisse dédiée à la miséricorde divine. Nous sommes conscients, et je le dis souvent aux fidèles, nous avons la mission d'implorer la miséricorde de Dieu sur tout le pays. Voilà pourquoi le thème, comme vous l'aviez rappelé, Monseigneur, est encouragé aussi pour que nos thèmes viennent des Saintes Écritures. Psaume 78, verset 8, « Fais-nous grâce avec miséricorde, grand maître, nous pas capables encore. » Et nous-mêmes nous dit, « Videz grâce avec miséricorde sous nos grand maître. » C'est exact, mais je passe devant mon Seigneur. Elle ne va nous pas répondre. Je vais mettre un problème. Vide grâce avec miséricorde sur Haïti, grand maître. Haïti, pas capable encore. Nous prions pour Haïti. Nous pouvons chercher de l'aide, mais vraiment le secours nous vient du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Rien de ce qui se passe dans le ciel et sur la terre ne peut échapper au contrôle de notre Seigneur. Merci, Monseigneur, pour votre homélie. Durant cette première année dans la paroisse, je m'attache beaucoup à l'enseignement de la parole et la louange. Et vous confirmez un pile aspect moins développé avec Fidelio sous que sensible bon Dieu a, sous miséricorde bon Dieu. Comme je le pense et je le dis toujours, rien ne remplace votre expérience pastorale d'anciens curés de paroisse. Merci pour cette compréhension de l'administration pastorale, de la pastorale, l'accompagnement des fidèles. Merci, merci, merci beaucoup, Monseigneur. Bon Dieu, pas Jean-Baïcha, je ne sens pas porter ce coup. Bon Dieu, à soutenir notre travail. Merci, en plus. Je remercie tous les prêtres qui sont là pour entourer Monseigneur, le Père Doyen, Père Chancy, curé de Saint-Pierre. Nous remercions le Père Chadic qui vient, Sœur Chadic qui vient de Sainte-Thérèse. Nous remercions le Père Jean-Patrick Louis-Jacques, responsable de l'UDERS de Port-au-Prince. Nous remercions le Père Bernardin Joachin qui portait nous grand secours dans paroisse, qui soutenait nous malgré la rue pas bon, qui vini souvent vini ba nous coup de main. Nous remercions le Père Jean-Robert dans la zone où il exerçait son ministère. Eh bien, je ne pense pas. Bah, qu'on est-ce que Fidelio est capable de célébrer pendant dans ça toutes ces charges, Monseigneur? Fidelio pas qu'à l'église dans zone là, ok, Père pas carité. Donc, dans la paroisse, nous portons toutes ces communautés aussi dans nos prières. Nous prions chaque dimanche pour les fidèles qui n'ont pas notre chance de pouvoir aller prier, célébrer joyeusement la Pâque du Christ. Nous remercions le Père Arsène Jasmin, curé du Sacré-Cœur. Nous connaissons Pec Namitan, Père Anglade, fils d'elle. Il était bas nous gros coup de main dans paroisse. Le Père moi-même, votre covini. Nous remercions le Père Antilus. Le Père Antilus, c'est le premier père qui apprend à dire la messe. Moi, j'ai fait stage Carrefour, lui-même était vicaire. Et puis, l'homme qu'on a l'ordination pour arriver, il dit bon, préparez avec vous. Et puis, lui-même, dans sa sacristie, toute porte fermée. Et puis, la femme exercée. Et puis voilà que sacristain qui vient paraître, il était 2h de l'après-midi, autant des pères ont fait sieste, c'est ça le connaît, et puis l'ouvrit porte sacristia, il est tombé sous Père Antilus, avec qui fait messe en secret. Sacristain reculé par bac. Mes amis, regardez sous qui ça le tombé. Il était peur. Donc, il me dit Père Antilus, merci, parce qu'il était bon, un gros témoignage pendant que nous étions ensemble, Carrefour. Diaclan qui est en stage, Paul Estimable, c'est moi qui dévoyais dans le séminaire. Monseigneur Mettel en décembre, Jack, Napton, le jour va arriver pour venir courir, travail, Monseigneur,
dans l'église là. Frère Maxime, est-ce que nous comptons au Père? Et comme Monseigneur l'a si bien dit dans l'homélie, et la miséricorde, c'est la première grâce à demander pour les prêtres. Nous toujours disons ça, c'est la première grâce pour nous demander pour Père, pour nous gagner un cœur miséricordieux. Ils doivent accorder la miséricorde du Christ sans pourtant toujours la recevoir du monde. Le monde n'est pas toujours miséricordieux, sensible envers les prêtres, mais Dieu l'est. Nous sommes ses prêtres. Si pas de miséricorde, frère Maxime, l'humanité entière te met fouiller tout et entrer. Miséricorde, bon Dieu, fais-nous capables de camper, fais-nous capables d'avancer, fais-nous capables de la prier, fais-nous capables d'espérer. C'est peut-être ça, Haïti met espérer. Parce que bon Dieu nous a, il y a miséricorde. Misère nous a pas quitté, bon Dieu, insensible. Misère nous yo pas prêté sans réponse bon côté bon Dieu. Li pas facile pour nous, les moins dit nous ça, nous dit nous dans nos miséricordes là. Nous toujours dit nous ça. Nous devons la prier et pour les victimes et pour les bourreaux. Nous toujours dit nous ça. Et nous ne devons jamais nous réjouir de la mort de qui que ce soit. Il ne veut pas la mort même du pécheur dans sa miséricorde, mais qu'il se convertisse et qu'ils vivent. S'ils pas converti, c'est lui qui connaît. Jean Monseigneur a expliqué nous ça. Timounan, il bat col, il forcé au calil. Mais Dieu est lent à la colère. C'est miséricorde, oui, pour sauver nous, frère Maxime. Miséricorde. Si chaque jour nous lever, nous dit, bon Dieu, fais-nous grâce avec miséricorde, nous pas capables encore, c'est un gros la prière. C'est un gros la prière nous fait. Nous voulons dire tout le monde qui est toujours là pour la prière, ensemble avec nous. Et bien, c'est moi qui vous un message pour me dire, ah, je fais maintenant en privé, je la prière pour nous parce que vous êtes des inconditionnels. Quelle que soit la situation, il y en a nous qui dit ouais, pas ouais, n'a pas là. Par ça, on une équipe solide, son bagage solide. C'est pour bon Dieu qui est nous faible dans la foi. C'est pour bon Dieu qui est nous, pour rien, pas faire nous trembler. Pour problème à droite, problème à gauche, pour Dieu nous être fixés sous Jésus, sauveur-nous. Merci à chacun de vous. Merci à tous les groupes qui se sont unis pour former la chorale paroissiale. Merci aux animateurs, merci aux musiciens, merci à l'animatrice. C'est tellement monté haut pour la chanter à lui la gloire. Après ça, moi, elle tombait plate. Donc, nous disons bon Dieu merci pour lui. Merci à tous ceux qui ont aidé à partir de ce qu'ils sont ou de ce qu'ils ont, ceux qui ont aidé à décorer l'église, ceux qui, par leur contribution, vont nous permettre d'organiser une fête plus tard pour tous les groupes de la paroisse, pour recevoir tous les groupes de la paroisse. Tout de suite après la messe, nous recevrons Monseigneur et les prêtres qui sont venus, les actants liturgiques. Je vous remercie aussi. Je remercie les médias qui sont présents ici pour cette célébration. Nous avons Réseau du Cœur Radio, nous avons Télé Amen et puis Télé Perpétuel Secours. Nous disons toutes merci. Et moi, qu'on est bénédiction Monseigneur Bailan, c'est pour nous-mêmes qui l'a, c'est pour tout le monde qui suit la célébration hein, et c'est pour tout le pays. Nous, en général, le Monseigneur a fait la messe. Puisque le campé, la prêche, etc., dans le moment de la communion, hein, toujours qu'on peut venir aider, nous devons aller aider lui. Nous disons, nous connaissons, nous avons dit, non, mais mon Seigneur, je communie matin. Moi, je viens de chaque jour, pas de problème, nous ne pouvons pas venir tous les jours. Moi, quitter nous profiter, frère Maxime, profiter grâce à la miséricorde, bon Dieu, voyez, bon nous. Bon Dieu, bon tout bon, lui montrer nous, lui palaguer nous, lui là avec nous. Monseigneur, merci d'être venu rehausser notre fête. Merci d'être venu nous dire que Jésus nous aime et que nous devons nous aimer les uns les autres. Il y a une bagaille qui peut être de prédication. C'est là où vous prêchez paix. Parce que paix, en général, déjà contre parole, il y a déjà parole, bon Dieu. Mais je dis à Monseigneur, pour tes paroles pour nous toutes. Rappelez-nous comment
Jésus te reconfirmé appel disciple. Il t'a déjà voyé, il a encore les soufflé sur yo pour dire je vous envoie. Yo t'es lagué, yo t'es marron, yo t'es non caché, yo t'es fait lâche, yo t'es trahi, lui-même lui montré yo, lui était fidèle. Voilà ce Dieu qui nous aime. Voilà ce Dieu qui nous donne sa miséricorde et veut que nous vivions nous aussi dans la miséricorde les uns envers les autres. Songez, c'est la réponse évangélique, heureux les miséricordieux, ils obtiendront miséricorde. Je vais finir comme ça, sans pas citer personne, nous ne connaissons pas Philomène, pas content si je dis le merci. Donc, je ne dis pas merci, mais bon Dieu seul, ouais, comment l'aider nous. Donc, nous disons, sœur Berthe, merci tout pour présence. Merci parce que nous montrer qu'il y a une collaboration, une communion dans l'Église. Monseigneur Petit Touyo, vous allez recevoir bénédiction dans nous. Merci en pile pour Jean nous fait nous belles, pour l'image ça nous voyait de Haïti matin. Bon Dieu béni. Amen. On a un pèlerin qui vient, qui vient sous le Sacré-Cœur, qui vient ancien, ancienne paroissien, paroissienne, paroissant. Même si m'tablie au monde, bon Dieu pas oublié nous, parce que nous chaque nous gain place dans le cœur bon Dieu. Et en parole m'était voulu dire, c'est un dernier, une pas trop long. Moi songe deuxième dimanche, c'est toujours congrès charismatique. Nous pas gagné. Donc nous comprenons nos situations qu'on y a à côté nous y est. Combien nous besoin la prière, puis plus. Nous pas qu'à rassembler dans un gros congrès, mais la caille nous, sous quartier nous, faites une réunion la prière nous. Et moi, songe dans un congrès, yo, mon Seigneur qui a prêché, je crois que ça a été évêque pour liberté. Et il te dit, gardez bien, oui, c'est chaque 8 jours, Jésus te paraît sur apôtre. Par contre, si mon Seigneur songe, et puis chaque 8 jours, ça veut dire chaque dimanche. Et yon dimanche, Thomas Patla, li patroué Jésus. Donc, pas rater dimanche, nous, si nous pas avons perdu le passage Jésus dans mi temps. Je ne vais pas oublier ça, vous savez. Donc, pas rater dimanche, nous, frère Maxime. L'Église a accompagné nous pour rappeler nous mettre compte sous bon Dieu. Parce que bon Dieu, il te promet de discipliner ça. Et li kembe parole li, je suis avec vous tous les jours. Jusqu'à la fin du monde. Frère Mio Samio, Père Hans Alexandre, c'est quelle intelligence, quelle mémoire. Tout ça, elle dit là, c'est ça, oui. On a fait me songer vraiment, elle me dit, t'es jeune évêque, t'es évêque tout neuf. Elle m'a dit, mais prêcher dans le croyant charismatique, moi, j'ai insisté sur ça. Et il rappelait, il me dit, il me dit, le sacré confit de l'homme, on s'est rappelé, il me dit, fidèle, ouais, Jésus vini, premier jour semaine, non, Thomas Patla. Qui fait que, ben, pas qu'à quoi. 8 jours après, Jésus vini, Thomas là. De Dieu, Thomas pas de droit pas là. Fidèle catholique là, premier jour semaine non, ou pas de droit pas là. C'est pas Thomas qui arrive au pas là grâce à capacité. Le dimanche, on fait tout effort pour aller à la messe. C'est vrai, je dis à la difficile. Ok, nous comprenons ça. Mais ça vient pour passer, nous pas arrêter comme ça tout le temps. Et ça qui fait, brièvement, je dis merci. Dit Père Hans, et un grand merci. Merci pour le dévouement, merci pour le travail, merci pour l'accueil. Et moi, je connais un père qui investit un peu dans la formation des fidèles. Moi, je connais ça fait là, moi, je compte. Donc, merci un peu. Et puis, après, en communion, que bon Dieu bénisse, que le soutenir. Tout ça. C'est vous pour contour. Ça a fait vente la fonte cassée. Mais,
d'après FM dans la foi. Merci à tout le pays qui vient participer. Merci à tout le monde, quel que soit côté où il est, qui a vu la célébration. Merci à la belle chorale, une chorale très jeune. C'est intergroupe, la Divine Miséricorde. C'est ça? Intergroupe. Il y a plusieurs visages, je me connais là. Oui. Et mon te confirmé, c'est Chabel qui te dit Napoué, je ne vais encore, c'est Chabel. Ça tellement belle ici, je dis, ah, pas besoin de Chabel. Donc là, on l'aime pas nous. On l'aime défendre à chanter, mais je m'invite nous encore pour une fois chanter l'autre bois. Mais il y a là, me dit merci en pile qui va écouter maintenant Simon missionnaire l'autre bois, qui est très dévoué. Moi, content de travailler ça main en main, qui est en Saint Chabel, et par la divine miséricorde. Et moi, j'aimerais ton occasion pour me dire, mon Dieu, non. Dépendent de on paroisse. On attache ensemble, on travaille main en main avec paroisse là. Merci, compliments pour la belle célébration. Merci à nous tous qui nous participent. Nous parlons sur la bénédiction. Papa, invitez nous font 10 minutes de silence pour la prière dans le cœur. Nous. Dans l'île, nous avons un parler. La prière pour mon café pays à souffrir. Bon Dieu touche cœur. Nous souffrons trop, pays a souffert trop. Bon Dieu, c'est miséricorde. Que le mettez un bras de miséricorde dans le cœur, mon Dieu. On a la prière pour tout le monde qui a aspiré pour diriger le pays. Nous ne connaissons pas la semaine ça, l'autre semaine, qui le monde qui peut aller dans le pays, qui groupe, nous ne connaissons pas ça. On a la prière pour quel que soit le monde qui a une responsabilité, pour prendre ça avec miséricorde, pour être sensible au peuple. Pour exercer la responsabilité dans l'intérêt du peuple. Son pays malade en pile. Son monde, je dis, aspiré pour venir diriger, quel que soit la forme, non? Faut que ça gagne un pays dans lequel. Faut que l'esprit d'abnégation, faut que l'esprit malheureux. Je demande bon Dieu pour le soutenir nous tous, pour le créer camp avec l'église là, pour l'église là dans la vigilance, dans la main, rester ferme pour accomplir la mission. Pour nous continuer à marcher sur la route de la vie avec courage, pour nous être témoins de miséricorde de bon Dieu, d'implorer son nom, la bénédiction du Seigneur en nos campés. Après chaque invocation, nous allons répondre Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. En ressuscitant son Fils unique, Dieu vous a accordé le bienfait de la rédemption. Il a fait de vous ses enfants, qu'il vous donne la joie de sa bénédiction. Amen. Dieu rédempteur, vous avez reçu d'être libre à jamais, qu'il vous accorde aussi d'avoir part à l'héritage éternel. Amen. Par la foi au Christ, dans le baptême vous êtes déjà ressuscité, par la droiture de votre vie présente,
Puissiez-vous mériter de lui être uni dans la patrie du ciel. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ, alléluia, alléluia. Thank you.